Taïna, 2 ans et demi, et Louane, 3 ans, sont venues avec leur maman. Elles ont pu s'amuser sur différents stands des activités proposées par les auxiliaires puériculture de Trappes lors de la fête de la petite enfance. C'est pour découvrir les activités qu'il y a autour et puis qu'elle rencontre aussi ses petits amis de la crèche, puisqu'elle a la crèche collective. Ça nous a permis de découvrir en fait des petits ateliers, notamment au niveau de la nourriture, la propreté et puis au niveau de la motricité. Je suis venue parce que pour ma fille, en fait, pour qu'elle s'amuse, comme je savais que c'était une activité pour les enfants, pour moi c'est idéal pour elle en fait. Un rendez-vous destiné aussi aux futurs parents. Sarah et Alain attendent un enfant au mois d'août. Ils viennent chercher des informations, notamment sur les différentes structures d'accueil à Trappes. On a beaucoup de questions au niveau du mode de garde, parce que quand on travaille, on est assez stressé sur comment on va placer l'enfant, quand... ce qu'il fait. Voilà, comment fonctionne une crèche, la vie de l'enfant dans la crèche. L'objectif, c'était de montrer comment entre parents et enfants, on peut partager des choses en s'appuyant sur ce qu'on peut vivre dans les établissements. Voilà. Et puis aussi d'expliquer aux nouveaux parents comment ça se passe dans les structures, ce qu'ils peuvent y trouver, rencontrer les équipes et être rassurés. Un moyen de pouvoir répondre aux questions des parents, une nouvelle édition devrait être organisée l'année prochaine.